monsieur. Bonjour monsieur, j'aimerais savoir est-ce que je pourrais m'entretenir avec monsieur Afroman, s'il vous plaît. Il n'est pas présent sur place, me semble-t-il, donc veuillez. Je ne peux pas vous renseigner, désolé. D'accord, merci quand même. Bah, écoutez, j'ai son numéro personnel, je vais le contacter et je vais l'attendre ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bah tiens, c'est bien vous. Est-ce que je pourrais vous voir quelques secondes après? Je suis gentil. Ouais, après, j'ai un emploi du temps assez chargé. Pas de soucis. Bonjour monsieur. J'aimerais... Vous êtes le banquier. Oui. J'ai toujours une belle voiture à vous. Ouais, je vois ça, je vois que vous l'habichonnez, vous l'avez même un petit peu amélioré, c'est nickel, avec un petit giro en plus à la place des phares, c'est magnifique. J'entends plus rien, excusez-moi, deux secondes. Moi de même. Ah voilà. Voilà. Donc voilà, monsieur, j'aurais besoin de vous parler concernant justement nos contrats pour nos véhicules de sport et ainsi que celle-ci, la nouvelle bête là. On a réussi à vous obtenir le dernier modèle en bleu gendarmerie avec les gyrophares intégrés et tout ça. Et j'aurais voulu que, avant de vous la donner, excusez-moi, suite à l'altercation que j'ai eue avec votre général, vous la testiez à mes côtés et que vous me disiez si elle est trop dangereuse pour vos hommes ou non. Je veux bien la tester, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on prend quand même bien soin de vos véhicules. Hein. Ah, je vois ça. En plus, vous l'avez amélioré, vous l'avez bichonné. Ouais. De toute façon, c'est pas moi qui le fais, c'est les GAV. Hein. Ah ouais, ça va, ils s'en sont bien occupés. Vous avez de bonnes idées, les petits gyros dans les phares, c'est nickel. Enfin, franchement, oula. Deuxième. Oh, pas grave, ça reste tout le temps. Donc, est-ce possible qu'on parle de nos contrats en privé, monsieur? On va en profiter pour faire un petit tour et faire nos contrats en privé. Je vous laisse conduire le véhicule. Oui, je veux bien l'essayer. Pas de soucis. Selon un de mes collègues de garder, je vais donner quand même les clés à un de mes collègues. Donc, pas de soucis, monsieur. Alors, attendez. Je l'ai, pour le coup c'est trop facile, je le sens mal, c'est trop facile. Je suis prêt. Je vous ai donné les clés, allez-y. Waouh, j'avais pas vu ça à l'arrière. Vous avez vu ce moteur ainsi que ses phares à l'arrière, elle en vaut du lourd. Hein. Je vous ai pris le dernier modèle juste pour vous, monsieur. La nouvelle Ferrari. La toute dernière, la 458 Italia. On va pouvoir choper des gens sur la route rapidement.
Et je vous promets que j'ai fait un test de vitesse, on s'est entraîné, on a réussi à obtenir avec la banque ACB la route de l'aéroport pour vérifier sa fiabilité. On a atteint 340 km/h avant la fin de la ligne. Et elle atteint bien, elle atteint bien une vitesse... Vous allez tester tout de suite, hein. Elle a une accélération et elle tient la route, c'est impressionnant. Hein. Je vous laisse monter dedans et on va continuer de parler dans le véhicule. On va continuer, pas de problème. Parfait. Alors, attendez. Super. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Fermeture automatique des portes du moment que vous dépassez 10 km/h. Et si je m'arrête? Ouverture automatique. Waouh. Ok, parfait. Donc monsieur, j'aimerais vous parler par rapport à notre contrat qu'on a eu par rapport à vos véhicules. Ce véhicule, ça va faire bien une semaine que je l'ai et je voulais apporter l'autre jour, mais je ne suis pas tombé sur vous, je suis tombé face à votre général qui m'a strictement envoyé péter alors que j'ai quand même pris le temps avec l'entreprise de déplacer deux véhicules chez vous pour vous faire la livraison officielle prévue comme d'habitude. Et votre gentil général m'a envoyé péter propre en ordre. Oui, par contre, je suis désolé, mais j'ai dans l'oreille que la banque est en train de se faire braquer. Est-ce que ça vous dérangerait qu'on mette... Ça m'embête, ça fait plus d'une fois que j'essaie de vous voir et c'est compliqué pour moi de vous voir, et pour une fois que je vous vois, j'aimerais bien profiter. Bon, après, je comprends. Ils ont peut-être pas forcément besoin de vous, vous avez confiance en vos hommes, non? J'ai confiance en mes hommes, il n'y a pas de souci. Mais si je reçois un appel de renfort, je devrais y aller. Il n'y a pas de souci, mais regardez, vos collègues, ils sont encore ici en train de se la couler douce. Donc, vous n'avez pas de souci à vous faire, j'ai confiance en vous. De combien de véhicules? J'aimerais juste que vous en parliez à vos supérieurs, que le contrat est officiel, que je vous livre des véhicules, qu'on m'envoie pas péter quand je prends le temps d'embêter les camionneurs officiels de mon entreprise pour déplacer les véhicules, quoi. C'est une perte de temps, j'aurais bien voulu être prévenu à l'avance, quoi. Effectivement, oui. Je mettrai mes généraux au courant. Pas de soucis avec ça. D'accord, tant mieux, monsieur. Parce que c'est moi en plus qui est la signature, donc... C'est bel et bien votre signature, choses, hein. Oui, c'est bel et bien votre signature sur le papier, donc... C'est moi qui ai le compte en banque de la gendarmerie pour le moment, donc... Voilà. C'est pas juste pour rien. Ce qui est tout à fait légitime, hein, vu la personne que vous êtes, et vu les échanges que j'ai eu avec vous, elle n'est que bien gardée. Ah oui, c'est vrai. Petite suggestion, c'est pas méchant, mais ce serait possible que vous coupiez votre radio parce qu'entendre vos collègues gueuler par rapport à la banque, ça devient un peu beaucoup bruyant, si possible. Ouais, y a pas de souci. Alors, attendez, faut que je me mette sur le côté. Oh putain, merde, je l'ai fait tomber. Ah, vous voulez la récupérer? Elle est cassée. Ah, elle est cassée. Bon, bah tant pis, j'en ai pas sur moi. Par contre, je suis obligé de retourner au commissariat à ce moment-là parce que sans radio, c'est dangereux pour moi et c'est dans les protocoles. Je suis obligé de une radio même si elle est fermée. Il n'y a pas de souci, passez par l'autre route au lieu de faire demi-tour pour éviter de repasser devant tout le monde et le barrage, passez tout droit. Vous passez par l'arrière de Cavala, ça va bien se passer. Comme ça, vous aurez le temps en même temps de la pousser un petit peu jusqu'au retour. Comme ça, vous pourrez regarder un petit peu sa puissance. Ok, ouais, mais de toute façon, c'est vrai que je dois être rapide. Je vais essayer de la rapidité. Ah ouais, testez-la, ce petit tour sera suffisant, monsieur. Waouh, 160 km/h direct. Elle fait 0 à 200 en 2 secondes, monsieur. Hein. Elle envoie du lourd. Hein. Je rigolais pas avec vous. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Prenez à droite, là, comme ça, on reprendra Cavala tout de suite. Oui.
Elles sont bien quand même ces véhicules. C'est vous qui les construisez ? Non, nous faisons de l'import américain. Par contre, il y a bien sûr notre assurance et notre petite touche personnelle au niveau du boost, bien sûr. Vu que je finance pas mal l'île, j'obtiens quelques passe-droits par rapport aux normes de véhicules, ce qui me permet d'avoir des véhicules très puissants pour vous. Ouais, quand même. Ah, je me suis pris un petit poteau, là. C'est déjà mieux que les anciens véhicules que vous m'avez donnés. Elle a l'air un peu plus résistante, quand même, hein. Ah, elle est beaucoup plus résistante. Et en parlant de résistance, monsieur, je vous conseille de ne pas être résistant. Vous avez actuellement un Uzi sur la tempe. Vous allez faire ce que je vous dis en étant très gentil et en ne faisant aucune fausse manœuvre et aucune manœuvre délicate. Votre téléphone qui est dans votre poche, il est actuellement brouillé. J'ai activé le brouilleur dans ce véhicule. Ouais, ce véhicule, il est génial. Il y a un brouilleur intégré. Donc, monsieur, ce qui va se passer, c'est que vous allez continuer de rouler tout droit jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter ou de tourner. Mais c'est pour quelle raison, monsieur ? Pour quelle raison, monsieur ? Je suis une personne, vu que vous allez forte, il y a de fortes chances qu'on s'explique. Vous allez rouler doucement, histoire de pas rouler trop vite, qu'on ne fasse pas d'accident. Roulez doucement, voilà. Je vais vous expliquer la situation, monsieur. Je ne suis pas que banquier, j'ai aussi une deuxième facette. J'ai une entreprise illégale de tueurs à gages. Et une personne... Tournez à gauche, monsieur. Et une personne a mis votre tête à prix. Et pour quelle raison ? Je vais vous expliquer clairement. De toute façon, je suis censé m'occuper de vous par la suite. Vous allez couper les phares déjà. Coupez les phares, monsieur. Vous allez vous arrêter sur le bas-côté. Et bien sûr, je vous ai saisi votre pistolet que vous aviez dans la poche. Vous vous arrêtez sur le bas-côté, vous faites pas de mouvement brusque. Je vais ouvrir le véhicule, je vais sortir en premier. Vous allez sortir en premier, pardon, et vous allez sortir juste après. Aucun mouvement brusque, sinon je vous abats tout de suite. Allez-y, sortez du véhicule. Allez-y, sortez du véhicule. Baissez votre arme, tout va bien. Vous allez mettre les mains derrière la tête gentiment. Allez-y, mettez les mains derrière la tête. Vous êtes un malade. Un malade. Un dangereux psychopathe. Un fou. Un fou. Un malade. Moi qui vous le dis. Vous en tirez pas comme ça. Vous ne vous en tirez pas comme ça. C'est moi qui vous le dis. Bon, mon cher monsieur. Je sais très bien, mais je sais aussi que vu la latence et le brouilleur qui est activé dans le véhicule, ça fait un petit moment qu'ils ont plus votre GPS. Et je connais aussi vos logiciels, je vous rappelle que je finance 50% de l'île. Et je sais très bien que vos logiciels mettent 5 minutes à s'actualiser sur vos GPS. Donc je sais que j'ai 5 minutes, j'ai un délai de 5 minutes. Bien sûr, je vous ai mis une cagoule sur la tête. Hein. Pour le moment, vous savez pas où on est, vous savez pas où on va. Vous voulez connaître la raison de votre tête mise à prix, monsieur ? Peut-être que j'aimerais bien ne pas mourir stupide. Monsieur, vous remercierez un certain Stallcraft de m'avoir demandé ce contrat. La prochaine fois, avant de virer un de vos hommes de la gendarmerie, vérifiez qu'il n'est pas instable et essayez peut-être de les envoyer en hôpital psychiatrique. En attendant, moi ça remplit mon porte-monnaie et ça fait de moi un homme heureux. Je n'ai pas viré Stallcraft. Je n'ai jamais viré un de mes hommes. Monsieur, c'est la raison qu'on m'a donnée. Après tout, à vous de vérifier vos hommes quand ils se font virer de la gendarmerie, que vous ne soyez pas pris pour la mauvaise personne. À partir de maintenant, j'ai plus beaucoup de temps. Je vous souhaite un adieu. Vous avez un dernier mot à dire ? Vous retrouvera. Ils vous tueront. Pas de soucis. Au revoir, monsieur. Je dois avoir votre nom. John Shepard pour vous servir. Banque ACB et tueur à gage.
Afroman, c'est fait.